Hello, je voulais vous montrer aujourd'hui ma Shandora Room, comment j'appelle ça dans ma maison, et je vais la ranger. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Là, vous avez les tissus, parce que vous savez, mercredi, on a fait ici. Attends, je vais tourner ça. Ah. Mercredi, on a fait ici notre première, enfin, une partie, enfin, la fin de la soirée, enfin, la soirée de femmes magiques, une rencontre. Et donc, à la fin, on a dansé ici avec les tam-tams. Je vous les remontre. Donc voilà, on a fait une ronde chamanique. Mon mari et moi, on a une tonne de tam-tams. Ah, coucou, Patricia, effectivement. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas encore rangé, mais aujourd'hui, je vais faire ça. Donc, tu as ici ma table de massage pour les soins énergétiques et pour la symphonie des vibrations. Alors, pour celles qui ne connaissent pas ça, la symphonie des vibrations, ça se passe ici avec les smoothies. Donc, les smoothies, tu entends ça? Ce sont des. Comment ça s'appelle, smoothie? Voilà, ici. Ce sont des anneaux annelés. Tu vois ici les anneaux. Les annelés, comment on dit ça? Je ne sais plus comment on dit ça en français. En tout cas, là-dedans, tu as quatre billes en métal et on roule ça sur la personne. Et ça crée des vibrations. Et ça, c'est absolument magnifique. Ça augmente le taux vibratoire de la personne. On fait ça aussi avec les huiles essentielles. Je vais y revenir. Donc. Ici, mes tam-tams, on a différents tam-tams avec. Je ne peux pas les jouer en même temps que je tiens ici le téléphone. En tous les cas, je fais ça maintenant une fois par mois ici. Et mes plumes de chaman, j'adore les mettre. C'est trop beau, non? Vous avez ici ma petite armoire. Quand je fais les soins avec les huiles essentielles, j'utilise celle de la société Young Living. Et ici, voilà ce que je dois ranger. C'est ma table de consultation. Quand quelqu'un vient, on a toujours d'abord une petite discussion de savoir pourquoi les gens viennent. Je voulais te montrer ça. J'ai utilisé ça aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, j'ai vraiment un petit rhume et je veux aider mon corps à guérir. Et ça, ici, c'est trop beau. Attendez, je vais ouvrir ça. C'est aussi de la société, évidemment, Young Living. Et à part le fait que ça sent super bon, mais ils font des roll-on comme ça. Attends, on va faire, tu vois ici des roll-on comme ça. Et ça sent bon, alors dommage que je ne peux pas faire passer l'odeur. Et donc j'ai déjà montré, ça sont tous les huiles qu'on utilise. Et ils ont carrément ce qu'on appelle un feeling set. Et là-dedans, tu as forgiveness, harmony, inner child, presence, time, release. Voilà. Alors, ils ont un tas d'huiles qui travaillent sur les émotions. Et évidemment, moi, je peux parfaitement utiliser cela dans mon travail. Autre chose que j'adore quand je travaille avec les femmes, c'est les cartes. Ici, peut-être quelques-unes parmi vous connaissent ce jeu de cartes-là. Oui, Patricia dit que c'était chouette. Oui, Patricia était là. C'était vraiment magnifique. Et Patricia nous a fait des tapas végétaliennes. Ça, c'était absolument délicieux. Voilà, magie et rituel du féminin sacré. Donc là-dedans, on a un jeu de cartes qui est bien. Et donc, ce que je fais quand moi-même, ça c'est en allemand malheureusement, ça existe aussi en anglais, mais c'est un gigantesque dictionnaire des huiles essentielles et des compléments alimentaires, et tu trouves tout là-dedans. Tu vois comment c'est grand, comme ça, c'est extraordinaire. Donc moi aujourd'hui, quand j'avais mon petit rhume, j'ai regardé ce que je pourrais utiliser. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Encore un tam-tam. Ah bah, je crois que c'est tout. Allons voir. Voilà, donc moi ici, ça c'est ma pièce. C'est ici que j'ai mon hôtel et c'est ici que je viens le plus souvent possible si j'ai besoin d'énergie. Et je fais mes rituels chamaniques ici aussi. Les vibrations dans cette pièce sont juste extraordinaires et un vrai espace de ressourcement. Et ça, c'est parce que j'y travaille tout le temps avec les énergies. J'y fais évidemment mes soins. Et je crois que les murs, ils ont imbibé toute cette énergie merveilleuse. Donc voilà, je pense que c'est ça que je voulais vous montrer un peu aujourd'hui. Je vais maintenant ranger.
cette pièce pour qu'elle soit de nouveau en ordre. Je souhaite à tout le monde ici un très chouette samedi. Dites-moi un peu si vous avez comme ça dans votre maison une pièce où les énergies sont vraiment très élevées, où vous pouvez aller pour vous reposer, ressourcer. Est-ce que vous avez un hôtel où vous pouvez aller tous les matins demander à l'univers ou à Dieu ou n'importe, faire des prières, demander de l'aide, demander des réponses? Est-ce que c'est des pratiques que vous faites? Et donc ça, je trouve ça extraordinaire de sentir comment on peut vraiment embellir un espace avec ce que nous, on y apporte. Voilà. Ok, bien. Un beau samedi à tout le monde, bon week-end à tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao.